Les 11 policiers strasbourgeois de la nouvelle section d'intervention rapide ont disposé d'une formation de 3 jours au stade de la Méno en ce début du mois de novembre, un mois avant leur première intervention probable, BPOUSAR 20 minutes. Mercredi, le tirage de la Coupe de Ligue a offert une deuxième réception du PSG à Strasbourg en décembre, samedi 2 en Ligue 1, puis mardi 12 en huitième de finale. Pour la première, le stade de la Méno devrait aussi vivre les débuts de la section policière d'intervention rapide strasbourgeoise, encouragée par le retour du racing dans l'élite. Sous réserve, toutefois, de réception des équipements à temps. À partir de là, une cellule de 6 de ces 11 hommes détachés pour l'occasion de la bac ou d'autres unités d'intervention et formée au cours d'exercices dans les travées du stade de lundi à mercredi devrait intervenir au sein même de l'enceinte à chaque rencontre à domicile. En survêtement bleu et avec des caméras, notamment plus grand que plus grand que à lire aussi, ils font la police en tribune de fans du Racing Club de Strasbourg. Un dispositif sécuritaire déjà en place dans 17 stades français est présenté comme un premier niveau de réaction en cas de trouble de la part d'une ou plusieurs personnes. Ils ont vocation à intervenir dans les tribunes et en bord de pelouse en cas de besoin, précise Antoine Mordac, commissaire à la Division nationale contre le hooliganisme. Ces policiers spécialisés pourraient notamment renforcer les palpations ou encadrer un peu plus le parcage dans des conditions particulièrement chaudes, comme lors de la réception de Lom Alameno. Décisionnaire de leur activation, le directeur départemental de la sécurité publique du bas termine avec le sourire tous volontaires. Je pense qu'ils sont fans de foot et du racing.